Bienvenue chez Pierre Desroches. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre modèle Grand Cliff GMT réserve de marche. Nous allons maintenant voir comment faire pour synchroniser l'heure locale et l'heure du domicile. D'abord, dévisser la couronne centrale, mettre la couronne sur la position B, donc tirer au maximum. Et ensuite, nous devons faire tourner les aiguilles jusqu'à ce que la date saute, ce qui est le cas maintenant, et que l'autre aiguille rouge du cadran dit 24 heures, donc de l'heure du domicile, pointe sur le 2. Voilà, nous y sommes. Ensuite, nous dévissons la couronne à 2 heures qui va nous permettre de régler l'aiguille des heures que nous faisons tourner jusqu'à ce qu'à nouveau la date saute. Là, elle a sauté et on appuie deux fois pour se mettre à 2 heures comme pour le cadran 24 heures. Maintenant, les deux cadrans, donc les heures locales et l'heure domicile, sont synchronisés.